Rebonjour, nous sommes mercredi 27 décembre, le 28, le 28, nous sommes le 28, mercredi 28, regardez ça, nous sommes à l'intérieur. À l'intérieur de Netflix. Netflix. Ah. Regardez, ce que je voulais vous montrer, c'est pas le sapin, c'est surtout l'escalator. Ici, il y a des escalators et les escalators sont un flux tendu. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Bienvenue dans la planète Netflix. Netflix. Voilà. C'est la fin. Alors il y en a des fois qu'ils enlèvent tout le lendemain de Noël. Les vadrouilleurs forever ont tout enlevé les décos de Noël le lendemain. Il y en a d'autres, ils les laissent. Moi, je suis plus pour le laisser jusqu'au 1er janvier. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous faites. Vous me mettrez ça en commentaire. Tant que le 1er janvier n'est pas passé, les festivités ne sont pas finies. Voilà. Donc, regardez, flux tendu, l'escalator. Mais il n'y a pas que celui-là. Je vais vous montrer un autre là-bas derrière. Ils sont doublés, triplés, quadruplés, les escalators. Alors pas beaucoup de sacs, moi je donne un conseil, attendez les soldes le 11 janvier, voilà, mais bon, des fois les soldes, on vous ressort des trucs de, qui sont pas forcément dernière fraîcheur. Je viens de manger un petit 4 heures, j'ai trouvé une boulangerie dans Paris, juste derrière les BHV là, oh là là, j'ai pris une petite tarte. Et la dame, je lui dis, madame, votre pâte, elle est magnifique. Et elle m'a dit, bah oui. Je lui dis, mais des fois, je tombe sur des boulangeries, la pâte, elle est... Je lui dis, ils sont pleins de flotte. Vous savez, ils les laissent dans le frigo pendant 2 ou 3 jours. Elle me dit, nous, tous les soirs, le patron, il donne tout à une association qui va redistribuer ça au SDF. Les sandwichs, les tartes, tous les gâteaux. Donc, tout est frais du jour. Et ben voilà, j'ai dit, bah, c'est ça la technique, pour que les clients reviennent. Si vous leur vendez des trucs, des fois, que vous n'arrivez même pas à mâcher dedans dans la tarte tellement qu'elle est deg, excusez-moi le mot. C'est comme ça. Qualité. Voilà. Donc, regardez l'escalator. Et on va faire le tour. Et je vais vous montrer l'autre escalator et je vais vous faire une petite vidéo de 5 minutes. C'est bon. Porte Lescaut. Voilà. Moi, je vais prendre le RER. Voilà. C'est le Mall à l'américaine. Voilà. Hop. Alors regardez, on va finir sur d'autres escalators. Un truc de dingue. Bon, pour beaucoup de jeunes, c'est normal, mais moi, ça me... Ça m'épate. Voilà. Regardez ça. Là, il y a l'escalator qui va au RER, mais ça n'arrête pas. Pire qu'un discontinu, à flux tendu. Un flux tendu. On dirait un manège. Ah oui. Voilà, donc pour ceux qui sont en province ou qui sont dans d'autres pays, pour vous montrer un peu. Donc nous sommes le mercredi 28 décembre.
ça. Mercredi 28 décembre. Voilà. Donc là, on descend dans le, dans les trucs de Noël là-bas. Là, c'est tous les magasins. Ça, c'est le centre commercial des Halles, Châtelet-les-Halles. Voilà. La consommation est roi. Voilà. Mais bon. Vous voyez, chercher les sacs d'achat, bon, c'est une balade, mais comme je dis, des fois il vaut mieux se balader en forêt ou à la campagne. Voilà, allez, et ben on va s'arrêter là. Allez, à bientôt, merci, bisous à tous.